Gavin Lambert était critique de cinéma à Londres dans les années 40 et 50. Lorsque, lassé de commenter les films des autres, il fit le grand saut et s'installa à Los Angeles, la ville du cinéma par excellence, pour y mener une carrière de romancier et de scénariste. C'est lui, l'auteur de Daisy Clover, un mélo sur le cinéma déjà, qu'interpréta la merveilleuse Natalie Wood. Le crime de Hannah Kingdom, qui reparaît dans la collection Rivage Poche, date de 1959 et présente, en cet épisode à l'évidence vécu, un tableau d'Hollywood alors en pleine prospérité. Gavin Lambert décrit très bien le chemin de crête qui domine la ville et d'où l'on voit s'allumer une à une, au crépuscule, quelques milliards de lumières. Hollywood est plus que d'autres un lieu déraisonnable où telle comtesse austro-hongroise déchue peut confondre Marrakech et la Californie et s'amuser à vendre un à un les bibelots qui ornent son salon. Quant à cette Julia Forbes, dans la piscine de laquelle on découvrira un noyer, elle fera sans nul doute penser à l'illustre vedette de Sunset Boulevard, ce grand film de Billy Wilder.